Salut les potos, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Shadow. Donc, ce qu'on va faire là tout de suite maintenant, eh bien, c'est de faire le dernier tombeau donc de la mission de San Juan au Pérou. Ce que j'ai fait donc pour arriver au tombeau, donc du coup je suis passé par là, j'ai fait le tour comme ça, hop. Non, par ici plutôt, voilà. Et j'ai récupéré cette cache qu'il y avait ici. Et j'ai fait le tour, donc j'ai rebuté le jaguar que j'avais déjà buté dans une vidéo précédente. Je suis arrivé par ici, du coup, donc on est rentré à l'intérieur, là, hop. Et il y a un petit portail où il faut se faufiler, donc voilà. Donc je suis arrivé ici. Alors ici, il y a une relique à récupérer. Saint Jean fut le dernier des apôtres à mourir, et le seul à ne pas finir martyr ou à se suicider. Auteur de 5 des livres du Nouveau Testament, il est le saint patron des théologiens et des érudits. Au cours de sa longue existence, il prit plusieurs disciples qui continuèrent à dispenser ses enseignements après sa mort, établissant une lignée de savants religieux qui n'a jamais été interrompue. Ok, donc bon, ça c'est fait. Il y a une carte ici. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ok, bah en fait, ouais, c'est tout ce qu'il y a à récupérer dans le défi de tombeau. On va y aller sans plus attendre. J'ai peur d'oublier quelque chose. Il est où ce document-là? Ah, il est juste là. Il est juste ici. Et là, on a quoi? On a rien là? Ah ben il y a des gens, ok. Venez voir ce que je propose. Ah mais tu es une marchande. Bah je reviendrai. Je reviendrai. Alors bon. Ouais, bon, on Des va la laisser rumeurs de lire. monstres, si on peut les décrire ainsi, ont longtemps couru dans la zone autour de la mission de Saint-Jean. Les autochtones refusent de parler de ce qu'ils ont vu. Ils deviennent taciturnes lorsqu'on évoque le sujet et filent généralement se cacher chez eux. Pourtant, et j'en suis persuadée, lorsque nous aurons converti ces indigènes, ils verront que ces monstres ne sont que des superstitions, des ombres que la lumière de Dieu dissipera. Ouais, si tu le dis, bon, j'espère que ça parle pas de des Tout est plein. Je peux plus rien Yachil. prendre. Alors, hop, on va récupérer ça. Et non, j'ai pas le bon truc. Voilà. Alors, je vais essayer de faire attention. Donc, je vais mettre un premier marqueur. Donc, je me suis renseigné sur ce défi de tombeau. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Bon, par contre, je sais pas comment il s'appelle ce défi de tombeau. On verra bien. Hop là. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, ça, c'est un passage? Non. Ici, c'est pas un passage. Alors, on va récupérer ça dans un premier temps. Donc, catacombe. Il s'agit de deux arbres légendaires se complétant parfaitement. Le Shechen sécrète une substance toxique au toucher, tandis que le nectar du Shaka est capable de neutraliser ce poison avant qu'il ne vous brûle trop. Le plus fascinant avec ces arbres, c'est que l'un pousse toujours près de l'autre. D'après la légende, deux frères et princes guerriers se seraient un jour battus à mort pour l'amour d'une femme, pour finir par pousser leur dernier soupir dans les bras l'un de l'autre. Ils supplièrent les dieux de leur accorder le pardon, ce qu'ils firent. Kinich, le plus gentil des deux frères, revint à la vie sous la forme du Shaka, tandis que Tizik, le belliqueux, se vit transformé en Shechen. Ok. Alors, donc bon, on a un deuxième feu de camp. Donc en fait, ce tombeau, donc il faut descendre. Hein. C'est que de la descente là. Combien j'ai de points de compétence? Un seul, ben, ça sert à rien. Salut. Au revoir. À bientôt. Donc je suis pas pressé d'y aller dans ce défi de tombeau parce que il y a des amis que je ne voulais pas revoir, mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc ben on y va. On y va. Ça commence. Voilà. Vous avez compris. Ils sont là. Hop. Alors j'ai vu qu'en bas il y avait des choses, mais bon. Ça se présente mal. Ah bah ça c'est sûr que ça se Tout est présente mal, plein. madame. Je peux plus rien prendre. J'espère ne pas les croiser tout de suite, j'ai pas envie.
Hop. Je sais pas s'il faut descendre. Hein. Ouais, il faut descendre. Bon, on n'a pas trop le choix. Alors, je vais juste... Hop. Et le marqueur que j'avais mis, il est où, là? Bon, on va mettre un marqueur dessus. Ok. Du coup, la relique... Il y a une relique derrière. Est-ce que je peux récupérer? Voilà, ça, je peux le récupérer. J'ai pas assez de place pour ça. Ça aussi. Et là, du coup, il faut tirer une flèche. Ah, ça sent l'œuf pourri. Ce gaz est sûrement inflammable. Voilà. Donc là, ils sont en train de s'exciter. Ils attendent ma venue avec impatience. Forcément, sinon c'est pas drôle. Je sais pas où ils sont. Ils ont pas l'air contents. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Et là, du coup... Ouais, voilà, c'est là. Donc il faut utiliser le piolet. J'ai pas envie d'y aller, les gars. Faites chier. Voilà. Oula, j'ai failli crever. Allez, toi tu viens ici. Où est-ce qu'il faut... Ah, là-bas. Bon, voilà, vous avez compris, vous les avez entendus. Warlocks est un vendu. Il m'avait dit qu'il n'allait plus les avoir, mais... On tombe pas. On va récupérer la cage de survie qu'il y avait ici. Du coup... Il y a plein de trucs et tout. J'ai peur de louper des choses. Ça m'énerve. Ouais, vos gueules, les gars. Oh non, peuple, non. Les Yashil sont là aussi? Non. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais là-bas, je le sens pas. Alors je me suis un peu renseigné, pas énormément sur le défi de tombeau, comme je vous ai dit, je sais pas comment il s'appelle. Donc il y a des Yashil, donc faut s'attendre à du combat, à des conneries, à des cris, faites chier, et là du coup il faut que je me jette. Voilà. On sort le fusil, hein. Moi je vous le dis, on sort le fusil, parce qu'en plus le défi de tombeau en lui-même, bah ça suffit pas, apparemment. C'est quoi ça? Ouais, je sais pas trop. Bon, on reprend le fusil. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Moi, je suis pas pressé, les gars, je vous le dis. Et là, du coup... Bah, il faut descendre. Apparemment, ça a l'air de puer beaucoup, hein, vu comme elle tousse. Remets-moi le truc là, la vision d'aigle. Ok, là on a ça. Est-ce que j'oublie quelque chose là? Je sais pas trop. Je peux plus rien prendre. Un document à côté, ça c'est tout plein. Allez, on passe dans le petit chemin là, étroit. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Ça suffit, hein, ne me faites pas peur. Ce que j'imagine, voilà, il faut tirer une flèche enflammée là-dessus. On reprend le fusil tout de suite, s'il vous plaît. Hop. Ok. Tout pour le moment, tout se passe bien. Je dois créer une explosion. J'ai pas assez de place pour ça. Alors, on doit créer une explosion. On va aller voir ici. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ça. Je dois créer une explosion. Il y a un document. Je dois créer une explosion.
Alors, c'est du quoi ça? C'est du mam. Yaché, l'arbre de vie maya, plante ses racines dans le monde souterrain, autrement dit l'au-delà, et traverse notre monde avec ses branches qui s'étendent jusqu'à toucher le paradis. Guettant à l'intérieur, on retrouve Itsamié, le dieu oiseau détenteur des secrets des trois plans de l'existence à travers lesquels l'arbre de vie ne cesse de grandir. Ok, alors, du coup, vu qu'on a récupéré ça... Ah bah j'ai fini un scénario, c'est cool. Bah c'est le document que j'avais sélectionné, là. Et donc j'imagine qu'il faut casser ça. Je dois créer une explosion. Ok, bon là pour le moment c'est pas compliqué, j'ai compris. Il faut libérer le gaz. Je dois monter sur cette plateforme. Ah bonjour! Laissez-moi tranquille! Où il est lui? Oh! Est-ce qu'il y en a encore? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je dois monter sur cette plateforme. Ok, bon, on y va. Je sais pas où ils sont. Ça fait flipper. Je dois quand monter même, sur hein. Cette plateforme. Est-ce que. Alors, il est où le gaz que j'ai libéré? Il est là-bas. On va tirer une flèche explosive dessus. Et aller en face. On reprend le fusil, s'il vous plaît. Merde. Wow. J'ai cru qu'elle allait tomber. J'allais tomber chez les tarés. Eh mais tu es malade gros, il est malade. Vous entendez comme ils tous? Incroyable, c'est incroyable. Du coup, il faut que j'aille où maintenant? Bon, apparemment, ils sont très très malades. Bon, apparemment, il faut aller là, ok. Donc quoi, tout je me plein. Suis fourré. Oh, la je fresque, j'ai failli la louper. Depuis ses racines dans l'au-delà, abritant des chauves-souris, il pousse droit vers le ciel, vénérable. Son tronc renferme le royaume des hommes, et ses branches étendent ses feuilles blanches à travers le ciel nocturne. Ok, on reprend le fusil tout de suite. Du coup, il faut que j'aille où? Tout est plein, je peux plus rien prendre. Donc j'imagine qu'il faut aller là-bas, mais là, avant tout, on a une... Je dois monter sur cette plateforme. Une relique. On dirait une sorte de sculpture primitive représentant un être humain. Ok, bon apparemment il n'y a rien à chercher dessus, il n'y a pas la petite loupe là en bas. Alors, est-ce qu'il faut que je libère ça? Bah, à mon avis, oui. Voilà. Je dois créer une explosion. Et là-bas, il y a quoi en fait? Ah non, c'est là d'où je viens, ok. C'est là d'où je viens. Et là, tu utilises. Oh! J'ai cru que j'allais louper le truc. Je dois créer une explosion. Alors, je dois créer une explosion. J'ai pas assez de place pour ça. Moi, je veux bien que tu crées une explosion, madame. On va commencer par ouvrir ça. What? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ok. J'avais repéré le truc. Je dois créer une explosion. Ça va. Pour le moment, on s'en sort bien. Par j'ai contre, pas assez de place pour ça. Ils étaient pas beaucoup. Où dois-je aller? Je dois créer une explosion. Est-ce qu'il faut que je retourne là-bas? Alors, je sais pas. Ah ben, tu m'étonnes que tout le monde qui tousse.
Est-ce qu'il faut que je reparte là-bas? Parce que bon, je dois là-bas, il créer n'y a une explosion. pas... Je pense. Je dois créer une explosion. Alors, il est où le gaz? Le gaz que j'ai libéré, il est là-bas. Ah ouais, d'accord. Faut que je monte là-haut. Donc si je fais ça... Ok. Ouh, je la sens pas la zone là. C'est plus très loin. Je dois juste monter là. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je dois monter sur cette plateforme. Est-ce qu'on est bon? On est bon, ça va. On est bon. On va récupérer des munitions. Ouf. Il y en a de partout. Je sais pas si ça glisse ici là. Est-ce qu'on a autre chose à récupérer dans le coin? Je vais mettre ça, un marqueur sur ça. Je dois monter sur cette plateforme. Ok, ok, d'accord. Donc là-bas, je peux grimper. Oula, mince. Mais je suis con, quoi. Voilà. Alors, il me reste... Bah, on va prendre le pompe, hein. Je dois monter on sur va cette prendre plateforme. Le pompe. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ah bah, elle est là, la relique que je cherchais. On dirait une sorte de sculpture primitive représentant un être humain. Alors, ensuite... Ah bah j'ai fini un scénario, c'est cool. Je dois monter sur cette plateforme. Est-ce que je dois... Oh, je pense que je dois le couper, ça. Voilà. Je dois monter sur cette plateforme. On va y aller, madame, on va y aller. Ok, ok, je me casse. Voilà. Et là, il faut que je fasse exploser le truc. Je dois monter sur cette plateforme. Est-ce que... Ah, j'en ai plus. J'ai plus de flèches explosives, alors je vais en faire plein. Là, par contre, je sais pas ce qui m'attend. Je... Oh, attention! Attention! Ok. Je dois grimper. Dans ta gueule, gros, dans ta gueule, tu te calmes. Ah, il y en a un qui arrive là, non? Oh, oh l'enfoiré. Toi aussi dans ta tronche. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je vais me soigner, on va se calmer. Je dois grimper. Parce que là, franchement. Je sais pas où ils sont. Je dois grimper. Je dois grimper. Où il est? Ah, il est là-bas. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bon? Bah, apparemment, on est bon. Ok. Bon, je vais en looter quelques-uns. Je pense que je peux en looter. Je dois grimper. Enfin. J'espère que ce sera la dernière fois que je les vois. Je vais me refaire des trucs. Voilà. Je sais pas si c'est fini encore. Je dois grimper.
Oui, non, mais j'ai compris, madame. On va se calmer. Je regarde juste s'il n'y a pas des choses que j'aurais pu oublier, en fait. Bah, je crois que j'ai tout récupéré. Ouais. Ah, ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mince! Bah, je veux ça là, moi. Je dois grimper. Voilà, bon, là, on est passé. Je dois grimper. Je dois grimper. Bon, là, il n'y a rien à faire. Grimper où, en fait? Ah, là. Alors, est-ce que c'est fini avec ces golemons? Parce que là, franchement, ça ne me plaît guère. Je te le dis. Ah tiens, ça, on va le récupérer. Je dois grimper. C'est quoi, ça? J'ai pas assez de place pour ça. Mais attends, avant tout, il y a des choses ici. Moi, je veux rien louper. Voilà. Je dois grimper. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Le bois, peut-être. Hop, on récupère le bois. Voilà, hop. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. J'espère que c'est fini. On sort la rame, moi je te le dis. Ah hein. Oh, oui, c'est fini. On récupère l'oseille. Allez, on se casse. On se casse, j'en ai marre. Alors, un point de compétence en plus, bénédiction de Kinich Ao. Ah bah, apparemment, j'ai eu un trophée spécialiste. Et un autre trophée, Tomb Raider. Ok, ah bah, je pense que j'ai fini tous les défis de tombeau, peut-être. Votre santé se régénère instantanément une fois que vous frôlez la mort en combat. Se réinitialise entre chaque rencontre. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, ça. Bah, du coup, bah, tous les points de compétence sont intéressants. Donc, bon, ferme-la, joue. Pourquoi je suis aussi dur avec moi-même comme ça? Je comprends pas. Alors, on va se casser d'ici parce que ça m'a gonflé les Yashil, moi je te le dis. Ils font vraiment flipper ces fils. Hein. Alors. Du coup, pour repartir. Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Ah, ok, d'accord. Allez, madame, on s'accroche. On fait pas la timide. Voilà. Nous descendons. Ah tiens, moi je te veux. Et du coup en fait on les a tous liquidés, hein, parce que bah y a plus de résistance, y a plus rien. Hein. Alors c'est juste que c'était juste pour nous casser les buburnes. C'est où que je dois l'accrocher ça? Ça? Ah. Où dois-je aller? Je sais pas trop où dois-je aller. Je crois que là c'est pour faire le bordel. Ouais, continue, d'accord. Bah, j'espère que c'est ça parce que là, honnêtement. Tu me rappelles plus? Je veux juste la sortie. Ah, bah attends là-haut. Peut-être que c'est là-haut en fait. Hein, je sais pas. Je vais voir. En tout cas, il y a un truc à prendre que j'avais pas vu. Ah bah je crois que c'est ici en fait, hein. Sûr. Enfin, j'espère. Là-bas. Oh. Pourquoi tu tousses, madame?
Eh ben, elle tousse beaucoup, ouais. Elle tousse beaucoup, Lara. Bon, je suis content parce que j'ai fini tous les défis tout est de tombeau. Plein. Je peux plus rien prendre. En plus de ça, les Yashil, je pense et j'espère que c'est fini. Je suis plutôt content de moi. Donc là, il faut s'accrocher contre le mur là-bas. Voilà. Bon, je vais juste faire le chemin de la sortie avec vous et je pense que la vidéo va s'arrêter là. Comme ça, ça fait une vidéo pour que une vidéo que pour le défi tombeau en fait. J'irai chercher. Ouais, c'est là la sortie. J'irai chercher le nom avant de l'envoyer, la vidéo, le nom du défi de tombeau. Comme ça, vous avez toutes les explications dessus. Parce que franchement, je sais pas comment il s'appelle. Dites-moi que c'est fini. Pas de surprise. Ouais, voilà, c'est bon. On est tout bon. Alors, on va vite regarder ensemble quel point de compétence je vais prendre. Du coup, ah ouais, voilà. Pourquoi j'ai eu les deux trophées? Parce que j'ai fait une partie complète. J'ai complété, j'ai fini en fait tous les points de compétence en rouge là que vous voyez là, qui sont des compétences de guerrier. Et du coup, j'ai trois points de compétence, ce qui est très très cool. Qu'est-ce que je vais prendre? Là est la question. Le reflet du serpent, c'est quoi ça? Ajoute un emplacement pour fusée éclairante. Tiens, ben voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre ça pourquoi? Parce qu'il y a un trophée qui dit de tirer sur des. Comment ça s'appelle? Des dindons, voilà, avec des fusées éclairantes, et ça donne un trophée, je sais pas quoi. Voilà, bon, ils savent plus quoi inventer pour te donner des trophées, hein. Faut dire ce qu'il y a, hein. On fait un feu de joie avec des poulets. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo sur ce défi de tombeau. J'espère que ça vous aura plu ou que même ça peut vous aider, j'espère. Donc voilà, je vous donne un prochain rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être dans la journée ou demain, tout dépend si j'ai le temps, si voilà, comme d'habitude quoi. Et désolé pour hier, il n'y a pas eu de vidéo, je suis rentré du boulot, j'étais trop KO, donc il n'y a pas eu de vidéo, voilà, c'est ça. Pas eu le choix. Donc voilà, prenez soin de vous, restez peace, aimez-vous les uns les autres comme d'habitude, et salut, ciao, et à la prochaine.